Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne. Voici venue l'heure du culte protestant. Depuis le premier confinement, nos pasteurs Pascal Geoffroy et Xavier Langlois nous préparent un culte radiodiffusé tous les dimanches de confinement. Je suis Lydie Rahartine et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims et Pernay. Le culte aujourd'hui a été préparé par le pasteur Xavier Langlois et je suis aidée techniquement pour l'enregistrement par Mathias Rangelasoul, qui est en étroite collaboration avec les techniciens de RCF à distance. Les cantiques sont accompagnés par les musiciens de nos paroisses, les familles Paugois et Renevson, ainsi que Dorothée Vettel à l'orgue. Que tous soient chaleureusement remerciés. La grâce et la paix vous sont données au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous lisons un extrait du psaume 147. Il est bon de célébrer notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. C'est lui qui rebâtit Jérusalem, qui rassemble son peuple dispersé.
Le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son amour. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Dans l'écho de ce psaume, élevant vers Dieu notre prière de louange. Ô notre Dieu, les situations se renouvellent, peur et peine s'additionnent encore et encore. Les mêmes mots nous reviennent, sentiment d'une histoire sans fin, d'un chemin impossible à poursuivre, d'une suspension injuste, d'un salut qui ne vient pas. Merci pour les mots du psaume, ils nous le redisent. Tu es le Dieu qui relève ce qui est à terre. Tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Tu es le Dieu qui rassemble ce qui a été dispersé et abandonné au chaos et au non-sens. Merveilleux horizon qui se laisse apercevoir dans le creux de la louange. Que par ce culte, Seigneur, nous puissions te louer, t'adorer et t'aimer avec notre corps, notre âme et notre esprit. Que nous puissions avancer dans la confiance et regarder à ton royaume. Amen. Restons dans cet esprit de louange en chantant le cantique 21-15. Venez le célébrer. Cantique 21-15. Célébrer, chanter, célébrer, chanter.
Avant de lire les Saintes Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons entrer en espérance, regarder au-delà de notre réalité, dépasser la fatalité, surmonter les impossibles. Donne-nous d'écouter les Écritures comme cette parole qui nous vient de toi, parole qui a tracé un chemin aux Hébreux, dévoilé une vision aux prophètes et révélé aux apôtres la manifestation de ton règne. Parle, Seigneur, montre-nous le chemin, fais-nous demeurer dans ta présence. Amen. Je lis dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30, c'est une longue parabole, je ne prêcherai que sur les premiers versets, mais je vous lis la parabole dans son entier, la parabole des talents. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100. À chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû planter mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Or, à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur bon à rien, jetez-le dans l'obscurité, là où l'on pleure et grince des dents. Amen. » Nous revoilà donc sur les ondes pour célébrer notre culte. Triste réalité qui a le goût d'un amer recommencement. Et encore, si ce n'était qu'un recommencement, mais il est ô combien plus sombre, plus lourd. Depuis mars, nous avons rêvé à un retour à la vie normale, mais très vite, durant l'été, les signaux étaient alarmistes. Nous n'avons pas voulu entendre, même des politiques ont regimbé contre les mesures de prudence. Et la réalité du virus nous a rattrapés. La vague est aujourd'hui plus forte, plus étendue. Dans notre paroisse, nous avons beaucoup plus de cas que durant le mois de mars. Alors nous nous reconfinons, tandis que nous n'avons pas encore subi tous les dégâts économiques de la première vague.
Et puis, comme si la maladie ne suffisait pas, les attaques terroristes frappent au cœur de notre société civile, à travers ce professeur. Et au cœur de notre corps ecclésial, à travers les martyrs de l'église de Nice. L'œcuménisme n'est pas qu'un travail théologique, il est la conviction que nous formons un seul corps en Jésus-Christ et que lorsqu'un membre souffre, tout le corps souffre. Nous, protestants, faut-il le dire sur les ondes de RCF, nous sommes en souffrance pour nos frères catholiques, avec nos frères catholiques. D'autant plus que nous le savons bien, c'est le témoignage que nous portons ensemble qui est ainsi visé. Alors que dire devant cet état des lieux? Nous sommes à la confluence de deux grandes injustices qui traversent l'existence, celle de la maladie et de la violence. Deux injustices qui nous renvoient à des limites fondamentales, celle de ne pouvoir expliquer ce mal. Pourquoi le virus? Pourquoi cette haine aveugle, cette rage? Question sans réponse. C'est le mystère du mal. Question sans réponse, tandis que la vie continue, tant bien que mal, en lutte contre la maladie physique du virus et cette autre maladie spirituelle, mentale, celle de la haine terroriste. Alors oui, il nous faut lutter avec les armes qui sont les nôtres. Pour le chrétien, ces armes sont celles de la foi, l'espérance et la charité. Je l'ai dit durant le premier confinement, mais il faut le répéter encore aujourd'hui, toutes les difficultés sont pour nous occasion de conversion et de croissance dans la foi. Je n'irai pas jusqu'à suivre Luther lorsqu'il parle à plusieurs reprises des souffrances et même de la mort que Dieu nous envoie pour nous convoquer à la confiance. Non, certainement pas, je n'irai pas jusque-là. Mais j'entends néanmoins avec le grand réformateur le renversement de ce questionnement chrétien devant le mal, qui ne se demande pas pourquoi le mal, en vertu de quelle cause, en vertu de quelle justification, mais qui se questionne pourquoi en deux mots, en vue de quel objectif, et le réformateur de répondre que l'Église qui a grandi dans la foi au travers des difficultés a accueilli ces dernières comme un passage obligé pour grandir dans cette foi. L'épreuve comme une occasion de croissance, comme une occasion de rencontre avec le crucifié. Alors entreprenons ce chemin et pour nous y aider, cette parabole que Jésus enseigne pour parler du royaume de son Père, la célèbre parabole des talents. Qu'en est-il du royaume de Dieu? Terminologie biblique pour parler de la présence puissante du divin pour juger et sauver. Eh bien, curieusement, et c'est ce qui me parle dans cette parabole, ce règne nous est ici décrit comme une absence. Le maître part en voyage et pour les serviteurs, il va falloir vivre l'absence, habiter ce sentiment de solitude. Voilà qui est difficile à entendre, mais qui renvoie à l'expérience qui est la nôtre. L'humain dans ce monde, l'être humain, et seul face à ses choix, ses erreurs, ses incompréhensions, ses espoirs et ses désespoirs surtout. L'être humain est parmi tous les animaux celui qui a cette capacité à se découvrir seul dans le monde et à travers cette solitude, cette capacité à se découvrir comme un sujet, comme un acteur, comme un être responsable. L'animal est structuré par l'instinct, mais l'homme est doué d'intelligence, lui permettant de dépasser cet instinct pour penser son rapport au monde. Je crois que c'est dans la solitude, ce sentiment d'être seul face à son destin,
que l'humain se découvre capable d'intelligence, d'action, qu'il se découvre vraiment. Mais se découvrir vraiment, en tout cas pour nous chrétiens, c'est découvrir qu'être seul ne veut certainement pas dire être abandonné, jeté dans le monde, comme le disent beaucoup de philosophes. Ainsi, le paradoxe de notre parabole est de nous dire que c'est lorsque le maître s'en va que chacun se découvre comme un être béni. Il y a un rapport, un lien entre l'expérience d'une solitude et celle d'une bénédiction, donc d'une présence autre. Le maître leur confie des talents, des richesses, il les leur confie. Entendons, dans confier, il y a confiance. Le maître leur fait confiance, il croit en eux. Il leur donne l'opportunité de vivre dans le monde, ce qui n'est pas du monde, d'exploiter ces richesses qui sont celles de l'Évangile et du royaume de Dieu. Peut-être faut-il faire dans ce monde l'expérience de la solitude devant Dieu pour se découvrir comme citoyen de ce royaume de Dieu. Ce qui ne veut pas dire étranger au monde où on lutte contre ce monde, mais dans ce monde porteur de richesses qui ne sont pas de ce monde. Étrange paradoxe que le silence de Dieu, le sentiment de son absence ou pour le moins de son éloignement nous fasse découvrir sa fidélité à travers sa bénédiction. Oui, c'est dans l'absence du maître que ses serviteurs se découvrent bénis. La théologienne strasbourgeoise Elisabeth Parmentier a écrit il y a quelque temps un ouvrage sur la bénédiction dans laquelle elle rappelle que ce qui caractérise dans la Bible la bénédiction, c'est tout autant ce qui est donné, la grâce, que ce qui est demandé, l'engagement. Elle rappelle avec force qu'être béni, c'est être envoyé. La bénédiction engage. Oui, être béni, c'est se découvrir envoyé. Autrement que ce que nous sommes, et dans cet envoi, nous découvrir autre dans sa grâce, plein de potentiel que nous ne soupçonnions pas. Parce que le maître part en voyage, ses serviteurs découvrent les richesses qui leur ont été confiées. Parce que le maître part en voyage, ses serviteurs peuvent naître à des responsabilités nouvelles. C'est dans la séparation qu'il y a bénédiction, autrement dit promesse et engagement. J'en reste volontairement sur le début de cette parabole dont la richesse me demanderait pour la commenter en son entier plus de temps que je n'en ai ce matin, mais cette mise en situation me parle tellement. J'ai évoqué le sentiment d'injustice que provoque en nous cette accumulation de malheurs. Or, dans ce sentiment d'injustice, se nissent toujours ces autres sentiments d'abandon et de solitude. L'injustice, le malheur, nous font nous questionner sur la fidélité de Dieu, sur sa présence, sa grâce. Ici, des hommes font l'expérience d'une solitude, non plus comme d'un abandon, mais comme une situation de bénédiction. Ils sont seuls pour affronter le réel, mais certainement pas démunis. Le maître leur a fait confiance, et quand quelqu'un nous fait confiance, voit en nous le meilleur, alors nous ne pourrons plus jamais nous sentir seuls, car ce regard, ou même le souvenir de ce regard, sera toujours comme la signature de sa présence indéfectible. Alors dans ce monde où tant de difficultés nous font redouter l'absence de Dieu, que nous puissions accueillir sa bénédiction. Le maître tarde à revenir pour établir son règne, mais nous ne sommes pas abandonnés pour autant. Au contraire, cette attente doit nous rappeler que nous sommes équipés pour traverser le malheur, non pas avec résignation, mais avec la conviction d'avoir des trésors de foi, d'amour et d'espérance à partager. Quand le malheur nous accable, souvenons-nous que nous sommes remplis d'une force que rien ne peut vaincre, cette confiance qu'il nous accorde et qui nous engage. Amen. Frères et sœurs, chantons le psaume 92. Splendeur au milieu des fidèles.
jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus je les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Tu rends d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont données ta maison. Tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Recueillons-nous dans une prière d'intercession. Seigneur Dieu, nous osons encore nous présenter devant toi pour te prier de prendre soin de nous. Ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce que nous trouvions en toi le repos. Combat contre nous et pour nous, jusqu'à ce que ta paix pénètre en nous. Inspire nos pensées, nos paroles, notre comportement dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi et à ton service, nous pouvons tout. Sois présent et agis au milieu de nous, dans nos familles, dans nos villes, parmi leurs habitants. Assiste les malades et les mourants, soutiens les personnels médicaux, secours les pauvres, les opprimés, les égarés. Sois avec ceux qui nous gouvernent comme avec ceux qui dirigent les grandes nations. Veille sur ceux qui disposent des instruments du pouvoir et sur ceux qui forment l'opinion publique. Permets que beaucoup d'amour inspiré par toi aille à l'encontre de tant de haine dans le monde. Que non seulement quelques gouttes, mais tout un fleuve de justice s'oppose à tant d'injustices et triomphe de tant de violence. Tu sais mieux que nous ce qui doit advenir de nous et du monde, et surtout ce qui doit finalement servir à ta gloire. C'est pourquoi, confiants et apaisés, nous mettons toute notre espérance en toi. Nous te remettons notre paroisse. Inspire-nous des gestes d'amour. Nous te confions l'entraide. Augmente notre solidarité. Nous te recommandons tous ceux qui exercent des responsabilités en Église. Donne leur force et confiance en toi. Ô notre Dieu, nous te prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, il est maintenant temps de nous séparer, mais nous restons unis. Comme cela nous l'a été dit dans la prédication, nous sommes bénis et unis dans cette bénédiction divine. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Paul écrit aux Romains : Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni quoi que ce soit, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous aussi, gardons précieusement cette assurance. Il vous bénit et vous garde, paisible et triomphant, celui qui vous a appelé
Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Dimanche prochain, le culte sera radiodiffusé sur RCF Marne-Ardenne à 10h et sur RCF Champagne à midi.